Bonsoir Pierre Aski. Bonsoir. Vous venez nous voir parce qu'un drame vient de toucher la rédaction de Rue 89, ou plus exactement le père d'un de vos journalistes. Patrick, vous revenez sur les faits. Oui, on parle d'un militant sioniste qui s'est fait connaître sur Internet. C'est un franco-israélien de 31 ans du nom de Grégory Shelly. Il est installé en Israël où depuis plusieurs années il pirate des sites pro-palestinien, il parvient à en prendre le contrôle avant de revendiquer l'attaque sous le nom d'Ulcan, avec à chaque fois le même message, stoppez vos mensonges à l'égard d'Israël. Plusieurs sites français en ont fait des frais au début de l'été, au plus fort de l'offensive israélienne à Gaza, ce qui a conduit Rue 89 et l'un de vos journalistes, Benoît Lecor, à lui tirer le portrait sous ce titre, Ulcan, le hacker sioniste qui fait tomber les sites pro-palestiniens, un papier qui n'a pas plus du tout à l'intéresser. La suite a été racontée il y a quelques semaines sur France 2 par le magazine Complément. L'été dernier, après avoir signé un portrait critique d'Ulcan, Benoît Lecor a droit à un coup de fil musclé de la part du hacker. Allô ? Ouais, c'est Ulcan. Écoute-moi bien, on pense pas pareil, toi et moi, fils de pute. Le militant sioniste va jusqu'à téléphoner aux parents du journaliste en se faisant passer pour un policier. Un canular sordide qu'il a enregistré. Allô ? Oui, bonjour, madame Lecor ? Oui, bonjour, c'est la police, je vous appelle concernant Benoît. Oui. D'accord, bon, il lui est arrivé un accident, madame. Hein. Ah bon? Oui. Je vous passe mon mari. Merci. Allô? Oui, bonjour, votre fils est mort, monsieur. Non, on est simplement, on comprend plus, là. Enfin, il est mort, hein. C'est pas moi qui l'ai tué, vous voulez que j'y fasse quoi, moi? Alors, on précise qu'Ulcan est un spécialiste des canulars, ou plutôt des agressions téléphoniques, et donc 4 jours après ce coup de fil épouvantable, le père de Benoît Lecor a fait un infarctus. Il a été plongé dans un coma artificiel. Il a donc succombé hier. Pierre Aski, c'est évidemment consternant, d'autant plus que ce Ulcan s'est manifesté quelques heures plus tard. Oui, c'est ça qui est le pire. C'est que non seulement il y a eu des conséquences tragiques que vous venez de rappeler, mais surtout, il a appelé Benoît peu après l'annonce du décès de son père pour le narguer, pour se moquer de lui, pour lui proposer une revanche sur un ring de boxe. Enfin, et il met tout ça en ligne, c'est-à-dire qu'il assume. Il traîne tout dans la boue, y compris la douleur d'une famille pour laquelle il a quand même eu une sacrée part de responsabilité. Et il est dans ce sentiment d'impunité qui fait qu'il se pavane. Il était filmé par France 2 il y a quelques jours en Israël. Il a le sentiment qu'il est le roi du pétrole. Il a fait ça à plein de gens, pas seulement à nous. Il s'en est pris à Émeric Caron après une altercation avec BHL à propos d'Israël. Moi, il m'a envoyé la police à minuit chez moi après avoir appelé la police en se faisant passer pour moi en disant que j'avais tué ma femme. Et donc c'est mon numéro qui apparaissait sur l'écran de la police. Et donc à minuit, j'ai 10 voitures de police, le quartier bouclé, un quart de pompiers, la BAC en gilet pare-balles et avec les armes, prêt à défoncer ma porte si je n'avais pas répondu. Voilà, on est dans quelqu'un qui agit de manière extrêmement perverse, parce que s'en prendre aux parents pour qu'on reproche à un journaliste, c'est quand même aller chercher très loin dans son esprit mal tourné. Et deuxièmement, dans lequel on oublie toute politique. Là, il n'y a plus de politique. Nous, il ne nous a jamais reproché le positionnement de Rue 89. Il n'a pas aimé un article qui porte sur lui. C'est-à-dire que c'est extrêmement narcissique aussi. Oui, et puis sur un adjectif qui parlait débile à propos de son site. De son site sur les canulars téléphoniques. Qui s'appelle Viol Vocal. Viol Vocal, exactement. C'était très élégant. Sentiment d'impunité, avez-vous dit, Pierre Aski. Il y a la justice française est saisie, mais apparemment il n'y a pas beaucoup de coopération côté israélien, c'est ça, on peut le dire comme ça. C'est le problème, c'est que côté français, il y a une dizaine de plaintes minimum, je ne sais pas toutes recensées. Il y a une instruction judiciaire qui a été ouverte, il y a un juge d'instruction qui a été nommé, il y a une deuxième instruction qui devrait être lancée prochainement. Et la clé est en Israël, elle n'est pas en France. Et tant que les autorités israéliennes n'ont pas pris cette affaire au sérieux, et je ne pense pas qu'elle l'ait encore réellement pris. Moi, j'ai des contacts à l'ambassade d'Israël ici qui me dit, mais on cautionne absolument pas ça. Côté gouvernemental, c'est évidemment autre chose. Alors, je comprends que cet été, ils avaient d'autres chats à fouetter en pleine guerre, etc. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape de cette histoire. Et je pense qu'il fait tellement de tort à Israël même, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est même pas du point de vue israélien, il leur fait du tort. Suite, juste un mot après la mort du père de votre journaliste, la nature des poursuites pourrait changer d'un point de vue judiciaire? Alors il y a déjà deux types de poursuites. Il y en a qui sont pour les attaques informatiques, qui sont qui ne portent pas très loin, et l'autre qui est pour le harcèlement.
Et là, c'est beaucoup plus grave. Là, aujourd'hui, il se peut qu'on requalifie ça avec la mort de, sans intention de la donner, etc. Mais pour l'instant, il y a une plainte extrêmement précise pour harcèlement et coups et blessures. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, Pierre Aski, est-ce que c'était une bonne idée de médiatiser ainsi ce personnage? Il y a deux organes de presse qui l'ont fait, Libération, à peu près au même moment que vous, pour le portrait de ce type qui est effectivement, qui était en souterrain assez connu et très actif sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais qui n'avait pas eu cette surface, cette visibilité médiatique au début de l'été avec Rue 89 et Libération. Moi, je regrette absolument rien. Je pense qu'on a eu raison de parler de lui. Il y avait une série de sites qui tombaient les uns après les autres avec le drapeau israélien qui apparaissait sur les écrans, etc. C'est une information qui mérite d'être portée au public. Ce qui est grave, et je ne pense pas qu'on ait encore pris totalement la mesure de ça, c'est qu'on est rentré dans une ère nouvelle où un individu seul ou avec quelques copains et connaissant bien le maniement d'un ordinateur peut, à l'autre bout du monde, faire tomber un site. Autrefois, il fallait mettre une bombe à l'imprimerie pour museler un média. Aujourd'hui, trois clics et c'est fait. Et c'est le début de ce qui nous attend, parce que là, on a un individu. Demain, on aura des hackers d'État sponsorisés par la Chine, la Russie ou d'autres régimes, des groupes non étatiques type État islamique, etc., qui ont aussi des spécialistes informatiques. Donc on est rentré dans une ère où quelqu'un qui n'est pas content d'un article, il ne va pas devant la 17e chambre, celle de la presse, il prend son ordinateur et il vous fait tomber, voire pire dans le cas de Benoît. Vous avez raison. Et lui, encore, on peut l'identifier, alors qu'il peut y avoir des hackers anonymes, évidemment, qui engage des actions très dommageables pour les cibles. Mais c'est sa faiblesse, c'est qu'il, contrairement aux hackers qui sont en général absolument anonymes, certains s'appellent même Anonymous absolument. Lui, il revendique tout, il assume, parce qu'il est narcissique. Et c'est ça, c'est sa faille. C'est que tout ce qui l'intéresse, c'est lui, c'est qu'il est sur cette scène mondiale qu'est Internet et sur laquelle il veut parader avec ses actes de pro-chevalier du sionisme, ce que le sionisme n'a pas besoin de lui, je pense. Merci beaucoup, Pierre Aski, cofondateur de Rue 89.